c'était pas un match facile parce que chaque équipe joue son rôle dans ces matchs, même si c'est un match amical. Je pense qu'ils ont joué à fond. Après, on a su être sérieux, on a su mettre les occasions qu'on a eues. Et du coup, on s'est rendu le match plus facile. Mais le match n'était pas facile, je pense. On savait ce qu'on venait faire. On savait comment ils allaient jouer, plus ou moins, à un détail près ou deux. Donc on avait travaillé pour pouvoir le déstabiliser. Et ça a marché, donc on est plutôt content. C'était un bon match. Les gars, ils ont tactiquement, ils étaient bien. Mais on a su trouver les intervalles et on a pu faire mal aussi dans la défense. Et c'est vrai, on a marqué beaucoup de buts, mais je pourrais te dire que c'est facile parce qu'aucun match n'est facile, tu vois. C'est seulement qu'on a su trouver les intervalles, on a su trouver le bon côté pour pouvoir faire mal, en fait. Bah, je dirais pas que c'était facile. Je pense que les coéquipiers avant nous, ils l'ont rendu facile. Ils ont pris le match au sérieux et voilà. Et quand tu mènes 2-3-0, bien sûr que ça devient plus facile pour nous. Déjà, il n'y a pas de match facile. Au niveau du football international, il n'y a pas de match facile. C'est un pays contre un autre, donc chacun a à cœur de défendre sa patrie, donc il n'y a pas de match facile. C'est vrai que, vu le nom des deux équipes, on a tendance à croire que la Côte d'Ivoire doit gagner facilement. Mais le football nous montre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de match facile. Donc sachez que c'est vrai qu'on a gagné 4-0, mais sur le terrain, il a fallu faire des efforts contre une équipe bien organisée. Et on a dû respecter les consignes du coach et ça a rendu les choses faciles.